these are all my property. My father was only a business person, and he went to America for me. So this is not father's property. It was a very great situation. All ESKCON members came to me, and they requested me to be a proof. I was only proof. I have recited mantra. I have given danda. I did fair sacrifice. And in our book, Bhagavat Patrika, Gauriya Patrika, in Bengali and English, we have some proof written that on very day he took sannyas. All were there, and every name and everything was there. But all has done only I was witness. They requested. I at once went to Bombay. I went to Bombay two or three or four times. Whole day living in court, waiting, discussing all these things. So I wanted to prove this. I have so many proofs for this, that he was not businessman. He had taken renounce order with Vedic culture. But I have done so many things. I have glorified than any ESKCON member. I know that I am first his disciple. From beginning, from 47, when there was no ESKCON at all, no devotees at all. I think that many of the devotees had not birth at that time. But now, I don't know why they are caring for me. I'm still in the same mode to always to help ESKCON devotees. I want that ESKCON should be very strong thing. And they should preach the mission of Swamiji. I told something in the presence of Swamiji last day, that I want to tell something. And he called all the renounced sannyasis. I was telling that, don't think that Swamiji is dead, now going to die. He will never die. You should try to serve him. How you can serve? You should not quarrel with anyone, each other. Try to give respect to each other. And if you are doing so, you can control all the devotees by love and affection. Don't exercise your power. That I'm sannyasi, I'm this and that, I'm GVC, I'm controlling. Don't give any order. Try to follow Swamiji and serve in this way. He told them, oh, come on all. And here Narayan Maharaj passed it to me. So I told them that Swamiji has so many things to do, but he could not do. There are so many countries in the world, even where Krishna consciousness has not reached. So you should try to honor each other and try to preach our whole world where you have translated these so many books in so many languages. Even in Russian and so many languages it is wanted that this should be translated and given. So this is to this message of Swamiji. This is the service of Swamiji. You should do. Don't worry about it. If anyone is doing wrong, you should forgive him. And try to embrace them with love and affection. Otherwise his own will be ruined. And so many devotees I am hearing, they become ESKCON. Now, I think that more than 90% they have left ESKCON due to their bad behavior. So I want that there should be good behavior among them, strong, this sanstha, this mission should be more and strong, and have affection and love for each other, whether he is third class Kanishtha Adhikari or Uttam Adhikari. They should live together with so much affection and love. Then they can do. But now I am saying, they are falling down, about 90% of
renounce order, sannyasi has fallen. Why? Because they have blocked their way. That you cannot tell the name of Raganuga. Why Swamiji has written Raganuga? Who was Rupa Goswami? A common inquiry will come in any devotee. Who is Rupa Goswami? Who is Rupanuga Vaishnava? What is Rupanuga? What is Raganuga? What is Vaidhi Bhakti? Naturally, these questions will arise. We'll have to solve all of these. Though we are not qualified for that, but we can make some greed for that, no harm. We can hear the pastimes of Krishna, no harm. We can read Chaitanya Charitamrita, no harm. So, we should not try to block and to defame anyone. Otherwise, this con will be ruined. I have heard that here there are more than 300 devotees here. So glorious it was. But now I sing like a desert. But I have come here and I sing. I am wondering that, oh, more than 300 devotees are here. So I want to help this one in all way. But they are fearing, I don't know why. They are fearing that he will take my all disciples and all wealth. I never, I promise. Have I thought any time that you should give me one franc? No, it's getting hard on me. I want to help all. I don't want, I promised them at that time that I don't want to make disciples. So many persons coming to me with so many problems that I have left ISKCON, I want to make you guru. Please initiate me. I told that you should go to Kumar, you should go to Govinda Maharaj, you should go to Swarup Namodar Maharaj, you should go to all. I want to strengthen ISKCON. But I told them that if you are going to ban me, then you will have to face so many difficulties. And then we, because I am not now making any initiation, but when you will make ban to me, then they will come to me and you will kick out of from ISKCON, then I will have to get shelter through them. Always remind this. They made ban that, oh, anyone should not go to Narayan Maharaj. Why not to Maharaj? I have served more than him. Why I cannot go to manor? A third class bogus persons are going there. Why to bend to me? I have served him. A dog of Swamiji should be honored. They should think that I am dog of Swamiji. Why they are making so much problems for me not to go? But they are fearing. And they are doing so many things, banning me. Don't anyone go to Narayan. Why? They cannot answer. Never cannot. So we should be out of, above our self-interest. A devotee is like so. We should try to be a good devotee. Always honoring all Vaishnavas. Giving proper respect. If you are not proper respecting Vaishnava, then you are not certainly a good devotee. C'est difficile de l'arrêter. Maharaj dit également qu'il y avait à un moment un procès très dangereux pour ISKCON. Un des fils de Prabhupada, après sa disparition, a dit, en fait, mon père, c'était pas autre chose qu'un homme d'affaires. Et donc, tout cet ISKCON qu'il a fondé dans le monde entier, c'est un business de famille qui me revient de droit. Et ISKCON n'arrivait pas à prouver le contraire. Prabhupada était un sannyasi authentique, etc. Toutes les preuves de cela, personne ne les avait.
Et donc finalement, ils ont approché Narayan Maharaj en le suppliant, s'il vous plaît, faites quelque chose, sinon on va perdre tout ISKCON, vous allez attaquer le DVT, ISKCON, et on allait perdre tout. Parce que la cour était pratiquement en leur faveur, en sa faveur. Et Maharaj, donc, ils ont appelé Maharaj, et lui avait les preuves. Il était encore le seul vivant à l'époque de ceux qui étaient là, qui avaient pris, lorsque Maharaj avait pris, Prabhupada a pris sannyas. Donc il est venu témoigner, il a été 3 ou 4 fois à Bombay, resté toute la journée, du matin au soir, au tribunal, à attendre qu'on l'interroge, et pour témoigner que c'était lui qui avait donné sannyasa Prabhupada, qui avait fait le fait sacrifice, les mantras, le danda, etc. Ils avaient les preuves dans leur magazine, la Gaudiamat, également les papiers que tel jour, telle personne avait pris sannyas. Donc il a pu prouver et aider ISKCON de cette façon-là à conserver ISKCON. Maharaj dit, j'ai aidé de cette façon-là, j'ai aidé de différentes façons. En fait, pratiquement, je suis le premier disciple de Prabhupada. En 1947, dès 1947, dès le début de notre association, j'ai commencé à considérer comme mon gourou. En 1947, pratiquement aucun disciple d'ISKCON n'était né. Donc, en quelque sorte, je suis un des premiers, sinon le premier disciple de Prabhupada. Mais d'une manière ou d'une autre, maintenant, on dit, non, il ne faut pas aller voir Narayan Maharaj. Il dit pourquoi? J'ai aidé de toutes les façons possibles, Prabhupada m'a demandé d'aider, j'ai aidé pendant tellement longtemps. Et même ceux qui venaient me voir en me disant, je n'ai pas vraiment de foi dans les gurus d'ISKCON, je lui dis, prends une station dans l'ISKCON, prends le Tamar, prends le Sarvodaya Damodara Maharaj, prends le Tel Maharaj, prends le Tel Maharaj, prends le Govinda Maharaj. Et il a averti les dirigeants que si jamais vous faites l'erreur de me bannir, pour une raison ou une autre, à ce moment-là vous allez vous en repentir. Parce que maintenant, je vous ai envoyé tellement de disciples, tous ceux qui viennent à moi, je vous envoie à vous. Moi, je ne voulais pas prendre des disciples occidentaux, et tous les gens qui viennent, ISKCON, ah, j'ai plus de foi dans mon gourou, ceci ou cela. Et donc, je ne voulais pas faire ça. Mais je l'ai mis en garde que si jamais ils me bannissaient d'ISKCON, ou plutôt ils empêchaient les gens d'ISKCON de venir me voir, il y en a beaucoup qui viendraient me voir, ils les rejetteraient eux-mêmes d'ISKCON, et à ce moment-là, je n'aurais pas d'autre choix que de leur donner refuge et ultimement de les initier. Ça vient du cœur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est très long. Résumé ou Ah oui, chose très importante. Quand Prabhupada a quitté ce monde, à ce moment-là, Maharaj a dit, je voudrais dire quelque chose. Et Prabhupada a dit, écoutez tous Narayan Maharaj, il a fait venir tous les grands, les grosses légumes, toutes les huiles, tous les dirigeants de l'ISKCON de l'époque. Et Maharaj leur a dit, s'il vous plaît, servez la mission de votre maître spirituel. Comment vous allez la servir? Ne vous querellez pas les uns avec les autres. N'essayez pas de contrôler les gens par le pouvoir. Vous pourrez seulement les contrôler par l'amour et par l'affection, par la confiance. Si vous essayez de faire autrement, vous allez ruiner ISKCON. Si vous commencez à vous battre pour les positions, essayer de contrôler les gens, tout va tomber. Et je vois, quand je viens dans ISKCON, je vois que j'apprends que pratiquement 90% des sannyasis sont tombés. Ici, il y avait 300 dévots, maintenant j'arrive, c'est un désert, à part maintenant, où, comme par miracle, il y a des centaines de dévots qui viennent. Mais tout ça, c'est dû au fait qu'ils se sont bloqués leur propre chemin. Bon, maintenant, une autre chose qui revient à la tête. Aussi, ils ont dit une chose. On ne veut pas entendre parler de Raganuga. Tous ceux qui parlent de Raganuga Bhakti, ça c'est les Sahaja, il ne faut surtout pas parler de ces choses-là. Mais un dévot, naturellement, il va poser la question, qui est Rupa Goswami? Qu'est-ce que c'est qu'un Rupanuga? Qu'est-ce que c'est que Raganuga Bhakti? Toutes ces choses-là doivent être répondues. Mais les dirigeants d'ISKCON sont bloqués leur propre chemin d'avancement eux-mêmes en bannissant ces choses-là, en bannissant toute discussion sur cela, et en empêchant également les dévots d'aller voir ceux qui peuvent répondre à ces questions-là. Même si on n'est pas qualifié pour Raganuga Bhakti, on peut développer un désir intense, une habilité d'atteindre ce niveau-là, il n'y a pas de mal. On peut écouter les divertissements de Krishna, il n'y a pas de mal à cela. On peut lire le Chaitanya Charitamrita, il n'y a rien de mal à cela. Sans imiter, mais si on écoute, on peut développer ça. Mais pas, on fait, on bannit toute discussion sur le sujet. Donc Maharaj dit, je suis même engagé en disant, je promets de ne pas initier les gens. Je ne veux pas initier les gens, je n'ai pas besoin de ça. Il y a tellement de gens qui viennent me voir, je n'ai pas besoin d'initier des gens, je ne voudrais pas initier des gens. Je ne veux pas d'argent, je viens sans motivation, sans intérêt personnel. Ma mission c'est simplement, parce que Prabhupada me l'a demandé, Swamiji me l'a demandé, de venir renforcer ISKCON.
pas de retirer la force à l'ISKCON. Au contraire, que tous les gens restent dans l'ISKCON, que l'ISKCON devienne plus fort et renforcé dans l'ISKCON, que cette mission fleurisse par toute la terre. Voilà pourquoi je suis venu, pas pour prendre des gens, mais pour redonner la foi à ceux qui l'ont perdu. Il dit maintenant, après, pourtant, j'ai quand même aidé ISKCON par toutes les manières, je suis un disciple de Swami Maharaj moi-même, mais on dit non, je ne peux pas mettre les pieds au manoir, ni même s'il y a un rascal de troisième classe peut venir, pourquoi est-ce que je ne peux pas venir? Un chien de Prabhupada comme moi devrait être permis, on devrait lui permettre de rentrer au manoir dans un temple, mais non, vous ne pouvez pas mettre les pieds dans les temples d'ISKCON. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais cette question-là, quand je demande pourquoi, personne ne peut répondre. Tout le monde a honte d'admettre pourquoi, en fait, ils ne veulent pas que je vienne. Maharaj dit, on devrait rester très unis, même si quelqu'un tombe et déchu, pas vraiment au standard, on dit, on devrait montrer de l'affection et pas se querer les uns avec les autres. Rester tout comme une famille unie, la famille de Prabhupada. Et Maharaj dit, et je viens simplement pour aider à faire ça. À Vrindavan, je voudrais savoir si Maharaj connaît le docteur Kapoor. Parce qu'il y a eu une conversation intime avec un de mes frères. Et c'était quand même assez important parce que Prabhupada avait rencontré donc le docteur Kapoor. Et le docteur Kapoor avait soi-disant, donc je répète ce qui a été dit, le docteur Kapoor avait dit à Prabhupada, et pourquoi tu mets des barrières dans toute l'organisation, pourquoi tu mets toutes ces barrières? Et il avait dit, les barrières vont tomber. Alors, je voulais savoir ce que tu en penses. Justement, je voulais savoir ce que pense Maharaj de cette conversation qui était c'est tout frais, c'était au mois de janvier. Et donc, moi personnellement, je suis tout jeune, tout genou, mais quelque part, ça m'a un peu... Et quelque part, c'était savoir ce que Maharaj pense. Les barrières, vont tomber. Les barrières d'aller voir ses frères en Dieu, c'est ça? Il y a justement un rapport avec rapport avec ça. Justement, pourquoi il y avait toutes ces règles strictes, Et donc, pour savoir ce que Maharaj pense de ceci, c'est qu'on est bien sûr de connaître le Dr Kapoor. He said that he went to India in January and he... No. Friend of him. And they went to see the Dr Kapoor, or B.L. Kapoor. Keshava. And they had a conversation with him and he said that he had asked to Swami Maharaj, why do you put so many barriers, so many fences like that? And Prabhupada had said at that time, oh, the fences will go down, the fences will be broken. So he's asking, you know, what do you think about such a statement? He's saying, I think the barrier means, you know, why there's so many strict rules of why you cannot go to see the other God brothers. Why you have to stick to, you know, following rules and regulations before going to Raganuga Mahal or things like that. He knew that all the devotees he has collected are new files. So, if they are going here and there, they may lose their honor for him or for devotion. So, when they are Kanishta, they said a rule and regulation that they should not go to so many places. That is why he has made some restrictions. But that is why he told me that please. Excuse me, that I have told. Only for beginners I have. Also, he has written in his letter of devotion or what? Instruction. That bhakti is like a current.
There are two kinds of bhakti, regulative and spontaneous. A devotee forever, he cannot be bound to be like Kanishtha Adhikari. Never. So he should come by regulative bhakti to Radha. But those persons who are always drowning in intoxication, always in self-enjoyment, gratification, they are not qualified to be in Radhanga. They must have some greed towards that. First hearing all this, then to proceed. So, he has told something like this. So this then, after some time they will go off. So he wanted that his all disciples should mature, and they should respect. And if he has no respect for his all God brothers, then why he has written so much for my Gurudev, for Sridhar Maharaj, for all he has written. But he has told something for time, only for some time. Time and circumstances. That they should be matured. So, for some time it was some order for them that don't go to here. And also, all God brothers are not so realized. They want money. They want famous, to be famous. They have so many bad things. All taking, the persons taking renounce order, they don't be Uttama Adhikari. They have so many bad things. So he told to be careful for this, not to dishonor any his God's brothers. Why he told that you should give me my samadhi? Why he told all these things to me? Why he told to help his devotee? Why he told his devotee to take some advice and everything from Narayan Maharaj? He had never told that you should dishonor my God brothers in any book or anything. It may be in circumstances that he has written. A special thing. For lower devotees he has told like this. Any Vaishnava cannot write like this, that dishonor my God brothers are pure devotees. If he is telling that he is not a Vaishnava. But I know that he cannot do like this. In some circumstances he has written in his letter. Anyone can show me this document, from his any authentic books, from Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavata translation, Gita translation. Yeah, he cannot write. I know. One thing, he told to me, I will go to Western country. I will make boarding for them. I make Goshala. What? Youth hostel. All the, eh? Youth hostel. Yes. Hostels. And I will supply them wine, flesh, meat, and eggs. I told them to fight. This is against the rules, Vaishnava etiquette. He told that I will first apply. And I will tell that there is one thing that you will have to utter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. At least one time in one day. And you can take it. And I'm sure that after some time, very little, very soon, they will give up itself, everything. And they will be
pure devotee. And he proved it. How? He made so many hippies, very good devotees, happy people. So, it is any rule that we should give fresh eggs? It is not Vaishnava etiquette, but he do it. For time being, in a special occasion. So he has written something for a special occasion, not as a general rule. He should try to reconcile all these things. Maharaj disait, lorsque Prabhupada a commencé à prêcher, tous les disciples qu'il a fait étaient tous néophytes, bien sûr, débutants. Donc pour les débutants, on est obligé, pour pas qu'ils commencent à cavaler à droite à gauche et aller se faire polluer par n'importe qui ou écouter n'importe qui et être confus, on est obligé de le garder sous stricte discipline. Donc Prabhupada, selon les temps et les circonstances, a dit, n'allez pas ici, n'allez pas là, restez au temple, suivez, n'allez pas courir voir tous mes frères en Dieu, écoutez celui-ci, celui-là. Enfin, juste vous mettre dans la confusion. Parce que les gens qui sont néophytes doivent être gardés et protégés contre eux-mêmes, pratiquement. Donc Prabhupada, selon les temps et les circonstances, a dit certaines choses à propos de ses frères en Dieu. Maharaj dit, et également, il se trouve que certains frères en Dieu n'étaient pas de très bon caractère, n'étaient pas les meilleurs dévots du monde. Pas parce qu'ils étaient sannyasis qu'automatiquement ils étaient des samadhikari. Ils avaient certains défauts, certains voulaient une position, certains voulaient de l'argent, ils voyaient les disciples occidentaux, donc ils étaient attirés par cela. Donc Prabhupada, pour protéger des dévots au niveau néophyte, a fait cela. Maintenant, il y a deux sortes de dévotion. Il y a Vedi Bhakti et Raganuga Bhakti. Ce n'est pas que quelqu'un va devoir toute sa vie rester un Kanishta. Mais au début, avant d'arriver à Raganuga Bhakti, on doit passer par Vedi Bhakti. On doit passer par suivre strictement les règles, les principes, tous les préceptes énoncés par les acharyas avant de pouvoir s'élever. Donc pour eux, pour les dévots néophytes, Prabhupada a donné toutes ses restrictions et toutes ses recommandations. Sinon, pourquoi est-ce que Prabhupada se serait excusé à la fin de sa vie en disant « Excuse-moi si... Maharaj, excuse-moi auprès de mes frères en Dieu si par, en prêchant pour la prédication, j'ai pu les offenser en disant certaines choses. » Prabhupada, dans certaines lettres, parfois a pu dire des choses selon les temps et les circonstances, pas pour toujours. Si on voit les choses sous cet angle-là, on peut réconcilier ces contradictions apparentes. Et si également Prabhupada ne voulait pas que les dévots quoi que ce soit avoir eu la Gaudiyama, donc ses frères en Dieu, pourquoi est-ce qu'il aurait demandé à Maharaj, qui est ici d'un de ses frères en Dieu, de le mettre en samadhi? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses frères en Dieu, à ses disciples d'écouter Narayan Maharaj et ses conseils? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Narayan Maharaj de les aider si vous n'avez rien, qu'on n'ait rien à voir avec eux? Bonté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Your translation is over? Non, donc nulle part il a écrit qu'il fallait manquer de respect à ses frères en Dieu. Si Prabhupada avait écrit ça, personne ne peut dire qu'il faut manquer de respect au pur Vaishnava ou au pur dévot. Prabhupada n'a pas dit ça, il a dit, dans circonstances, n'allez pas les voir peut-être, ne les fréquentez pas trop, pour restreindre des dévots néophytes qui se seraient laissés emporter le mental. Mais nulle part Prabhupada a dit qu'il faut manquer de respect au dévot et au Vaishnava. Sinon Prabhupada ne serait pas un pur dévot. Mais Maharaj dit, je sais que c'est un pur dévot et un pur Vaishnava. Donc s'il a écrit des choses, c'est seulement selon les temps et circonstances une fois de plus. Une chose aussi, Prabhupada m'a dit une fois, je vais aller en Occident, je vais ouvrir comme une auberge de jeunesse dans laquelle je vais servir des œufs, du vin, de la viande. Et Maharaj a dit, mais comment vous allez faire une chose pareille? C'est contre tous nos principes Vaishnava. Il dit, non. Je vais leur dire, il y a une seule condition, c'est que vous devez chanter Hare Krishna. Au moins une fois par jour. Je suis sûr qu'en un rien de temps, très rapidement, ils vont renoncer à ces choses-là par le pouvoir du Saint-Nom. Il y avait une telle foi dans le Saint-Nom. Et effectivement, Prabhupada, très rapidement, a fait ça. Il a prouvé que même les gens qui venaient d'un milieu comme le nôtre, très rapidement, sont devenus des dévots. J'aurais une question. D'accord. Donc, Swamiji a ordonné que vous devriez supply huge quantity of eggs, wines to all devotees. He has not told like this. He has told why they are not following, why they are not supplying eggs, meat, flesh, cow flesh, why they are not supplying now. He has told. They should know that it was for only a special circumstances they should know.
I know any devotees wrote a letter to Swamiji that I'm so lusty, what should I do? I always, lust is coming in me. I cannot check. He told that you should read Ras Lila. Ras Lila, you know? And I think that after some time, your all lust will go away. So why all this, all devotees are of his own and leaders are not doing so? This was a special occasion. It is not a general rule that all should read. But I know if any has so much honor and faith is strong in his Gurudev, he can read. It is for us devotees. We can read Srimad Bhagavatam. We can read Chaitanya Charitamrita Adi, first flow 4, Arai Ramana Shambhar. It has been written for devotees, but we'll have to be qualified for that. This is our wealth that he has kept in iron chest. But for us, we should be qualified to read all these things. But his orders, periodically orders, we should try to reconcile all this. Maharaj dit par exemple, Prabhupada l'avait dit, il faut, je vais faire une auberge de jeunesse avec de la viande, des œufs, du vin. Est-ce qu'après, Prabhupada s'est plaint, pourquoi est-ce qu'on ne distribue pas de la viande, du vin et des œufs dans mes tentes? Je ne vois pas les quantités de viande qu'il faut, d'œufs qu'il faut, de vin qu'il faut. C'est un scandale, pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas ces choses-là? Est-ce que Prabhupada a demandé ça? Non, parce que l'instruction, il avait dit, selon les temps et les circonstances, il était prêt à faire ça. Mais il faut voir les choses dans leur contexte. Ou bien, une fois Prabhupada a reçu une lettre d'un dévot qui lui disait « Je brûle de concupiscence, j'en peux plus, je ne peux pas réussir à me contrôler, qu'est-ce que je peux faire ?» Prabhupada lui a dit « Lis la Ras Lila. Oui. Lis la Ras Lila, je suis certain qu'après un certain temps, tu vas perdre tes désirs de concupiscence. » Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi est-ce que tout le monde ne passe pas son temps à lire la Ras Lila, les dirigeants d'ISKCON, tous les dévots? Non, c'était une instruction selon les temps et les circonstances. Donc c'est l'instruction particulière que Prabhupada a donnée, il faut les voir dans leur contexte. Et ainsi, on peut réconcilier les contradictions apparentes. Gaur Premanande. Maharaj, je veux aller à la classe et rencontrer tout le monde, pas juste les dévots français. Come on.
Bol, Krishna, Daksha, tu mets la photo de Radha Govinda Madhava. Thank you.
with you. If I was here, okay. What do you do? I spoke for about an hour and a half. 1 hour and a half? What can we just use? Because I'm tired. Doctor also requested me not to go beyond limit. I should. We only came to take your darshan. Oh. I cannot without your darshan. So I gave only to take your darshan. Maharaj demande d'abord à Prabhu, son disciple, qu'est-ce que tu as dit? J'ai donné la classe. Résume tout ce que tu as dit. J'ai parlé pendant une heure et demie. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait une vingtaine de personnes. Où est-ce qu'ils étaient tous? Ils étaient avec vous, Maharaj. Après, elle dit, mais je suis sous le contrôle de mon docteur qui m'a dit, je ne peux pas aller au-delà de certaines limites. J'y ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais je ne peux pas vivre sans vous, donc je suis venu prendre votre darshan. Donnez-moi votre darshan, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous passer de votre darshan. All are my guru. I respect them. If they were not here, then to whom I will have told so many Harikatha, past tense of Krishna? By seeing their inspirations come in my heart to speak on the glories of Krishna, the glories of past times of Krishna. So you are all my guru. And a guru thinks like that. If he does not think like that, he is not a guru. Bhaktisiddhanta un jour a dit à ses disciples, en fait vous êtes tous mes gurus. Parce que si vous n'étiez pas là avec votre désir sincère d'entendre Harikatha, comment est-ce que je pourrais parler? C'est vous qui m'inspirez à parler. Sans vous, je ne pourrais pas parler de Krishna. Donc vous êtes tous mes gurus. Il dit, un guru authentique, il pense comme ça. Et s'il pense autrement, il n'est pas un vrai guru. Donc vous êtes tous mes gurus, parce que vous êtes tous là, il m'arrache, pour entendre Harikatha, et c'est votre inspiration qui me fait parler. He always makes guru. So, the disciples of bona fide guru are really gurus. Like Chaitanya Mahaprabhu has told, Jare dekho tare kaho Krishna Padesh, Amar agyay guru haiya tarayi desh. Oh, go, be guru, and you should preach everywhere. That you should do Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Maya cannot touch you now because you are Guru. And they became like so. So a Guru never makes any disciple, but he makes. To whom he touches, he becomes like a Guru. So I honor you like pure devotees. That is why I can, that before sleeping I should take darshan and then I will go there. Un vrai guru ne fait jamais de disciple, parce qu'il considère tous ceux qu'il approche comme ses gurus. Il fait des gurus, tout comme Mahaprabhu a instruit ce fameux verset dans le Chaitanya Charitamrita, en mon nom, allez prêcher. Toute personne que vous voyez, parlez-lui de Krishna, donnez-lui le message de Krishna. En mon nom, devenez guru. Donc un vrai guru, il ne fait pas des disciples, il fait des gurus. Et on peut voir que Mahaprabhu
a instruit tellement de dévots qui sont devenus des gourous. Un vrai gourou, ce qu'il inspire, ce qu'il touche, il devient également des gourous. Donc je vous respecte tous comme mes gourous et comme des purs dévots. C'est pour ça que je suis venu prendre votre darshan avant d'aller pouvoir me reposer. I'm requesting Navdeep Prabhu that he should tell us Visham and substance that he gave to us today. Maharaj demande donc à Navdeep Prabhu de résumer la classe d'une heure et demie qu'il vient de donner tout à l'heure. Very short time, within 10 minutes. En 10 minutes. So, although I'm not fit to speak on these matters, I'll simply try to repeat some of the remnants from what I have heard from Srila Gurudev. By his mercy, we can try to repeat a few things. And I started out by saying today that just as Krishna Das Kaviraj Goswami, he wanted to give the remnants of Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur had already discussed the pastimes of Lord Chaitanya. So he said that actually he is the Vyas of Chaitanya Leela, and what is my position to speak anything further? But I will simply try to take the remnants and speak on those things that he did not elaborate on at length. So similarly, I thought it would be appropriate, since this book is so elaborate and Srila Sanatana Goswami has given such wonderful and very lengthy commentary, and our time is very short. So Gurudev is giving such wonderful classes, but still summarizing. So I wanted to try to fill in a few details that he had not spoken from the sections he had already spoken on. So we began to describe that in the first chapter, there were two personalities who were that Narad Muni encountered. One was the Brahmana from Prayag, who performed this ceremony, this utsav, of worshipping the Lord and feeding all the Vaishnavas and Sankirtan. And the other was the king from South India. And both of these two personalities, they come under the category of what is known as Bhoma. This first chapter is known as Bhoma. Bhoma means this earthly realm. So Sanatana Goswami's purpose is to show who has the topmost mercy of the Lord. And in doing so, he will show all the different levels. What are people's conception of bhakti? What are their people's conception of what it is to have the Lord's mercy? So the very beginning level is this bhoma, this earth sphere. What do people think it is to have the mercy here? What is their idea of bhakti? So this conception is revealed through these conversations between Narada and the Brahmin, and Narad and the king. And there are some specialities in these conversations. That first Narada, he first glorifies the Brahmin, and then the Brahmin, and whoever else he is glorifying, there are two characteristics. First, the person who has been glorified, he will say, well, no, actually, I'm not a recipient of the Lord's mercy. And he will say why he's not. And when he's explaining why he doesn't have the Lord's mercy, he's actually exposing his mentality, what his idea is to have the Lord's mercy. And then when he goes on to glorify the next person, well, no, actually, I don't have the mercy, so-and-so has it. And then he will describe why that person has the mercy, and that also he will reveal more about what he's thinking, that who has the Lord's mercy. So for example, in the case of the Brahmana, okay. Lord? Please, please to translate. No translation? Anwar? Translation? No. Yes, sir. I'll just finish this. All right. Are you taking notes or can you remember? I can remember. Yes. Yeah. Okay. So in the case of the Brahmana, when he was glorified by Narada Muni, he mentioned three things. He said, actually, I'm not
really able to give charity. Although he came, he performed this festival, he fed thousands of people, fed the Vaishnavas, fed the Brahmanas, all the different castes, all living entities. Thousands of people were fed, and not just ordinary khichdi, but very, very succulent prasadam. So, but he says, I'm not able to give charity. And the second thing he mentioned was that really I don't have any opulence. Although he was wealthy, he was the administrator of that area, and he had came with his family members, with servants, so many things. But he said, I don't have opulence. And the third thing he said was, that where is my worship of the Lord? So what does he mean by this? What he means will be indicated further as he begins to glorify the king. What he means is that his idea of bhakti, or his idea of having the Lord's mercy, is that if one can give a lot of charity, that then he has the Lord's mercy. If one has a lot of opulence, then he has the Lord's mercy. And his idea of worship, Bhagavad Bhajan, means simply to put on some big festival. That is Bhagavad Bhajan. Not that 24 hours a day he's engaged, and whether he has money or no money, whether he's able to feed anyone or not, but 24 hours a day he is sitting, he is chanting, remembering the Lord. That is real bhajan. But this brahmana, he is